Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Je suis avec Sébastien Duboc. Bonjour Sébastien. Bonjour Théo. Vous êtes fondateur de Sochèvre et vous cherchez à utiliser le fromage de chèvre autrement. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Oui, exactement. Donc on cherche, nous sommes une jeune entreprise basée en Touraine, en Indre-et-Loire. Mm-hmm. Et donc nous cherchons à élargir, on va dire, les gammes chèvres, dont principalement ciblées sur le lait de chèvre en fait, et ses atouts nutritionnels dans des nouveaux formats de produits. Et donc nous avons lancé cette entreprise il y a un an. D'accord, donc vous avez une gamme de produits déjà assez variée. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites de différent. Alors en effet, dans la stratégie de l'entreprise, l'idée c'est d'élargir ces gammes avec donc une partie snacking sain. Donc on a démarré au printemps dernier avec deux encas type barre nutritionnelle à base de lait de chèvre, de fruits, de céréales, donc simple, saine, naturelle, pas d'additifs, pas de conservateurs. Et puis on a lancé également en parallèle une gamme plutôt épicerie gourmande là, pour également décliner le lait de chèvre sous d'autres formes avec trois confitures de lait. Donc ce sont nos premiers produits de chaque ligne de produits. D'accord. Et alors, est-ce que le lait de chèvre a un avantage par rapport au lait de vache, par exemple ? Entre autres, oui, le lait de chèvre est plus digeste. Il a des atouts nutritionnels intéressants au niveau valeur. Et puis, c'est vrai qu'il est moins allergénique pour certaines personnes. Voilà. D'accord. Et vous avez d'autres idées de produits là en développement qui vont arriver peut-être ? Complètement. On continue dans nos gammes, dans notre stratégie. Donc avec le côté snacking, on va lancer une boisson l'été prochain. Et puis sur la gamme épicerie, on ira probablement vers des tartinades, plutôt en direction des moments apéritifs. D'accord, super. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir présenté Sochèvre. Merci. Une jolie initiative. C'était dans la Social Room de Village Semences. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux au hashtag Village Semences.